Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour cette nouvel épisode de la survie Minecraft. Donc on est un petit peu dans les airs. J'avais envie de me balader un peu au-dessus du village parce que ça commence à prendre pas mal forme. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va s'attaquer aujourd'hui? Donc dans un premier temps, on va faire le quartier qui va être ici, enfin le premier bout de quartier avec à peu près les mêmes matériaux qu'il y a ici, quoi. Et bon bah j'ai farmé tout, j'ai préparé le terrain, donc voilà, tout est bien, tout est nickel chrome. Donc il faut savoir que voilà, je vais faire un hyperlapse parce que comme ma Zimit Mega, ce n'est pas un timelapse parce qu'il y a des mouvements de caméra. Voilà, il me reprend assez souvent parce que j'ai dit timelapse, donc là j'avais envie de lui faire un petit clin d'œil en vous disant ça les amis. Et il faut savoir que Bit Mega a une chaîne, donc je vous la mettrai en description. Donc si vous aimez vraiment la construction, tout ce qui est montage, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne parce que vraiment il fait du montage de qualité. Moi je suis qu'au début de mon apprentissage avec le replay mode, etc. Donc on va dire que c'est pas encore gagné. Mais franchement voilà, si vous êtes passionné par ça et que vous aimez voir quelque chose de qualité, allez voir sa chaîne, je vous le conseille. Donc voilà, moi je vais attaquer le début de l'épisode avec cette hyperlapse tout simplement. Et je pense qu'ensuite on se retrouvera au niveau du biome colorant parce que on aura beaucoup de choses à faire, enfin au niveau du biome flower pardon, avec l'usine à poules déjà dans un premier temps et en fonction du temps qu'il y aura sur l'épisode, on verra si on attaque autre chose dans cet épisode les amis. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour pas faire trop de blabla et c'est parti pour cette hyperlapse les amis.
Alors, les amis, on se retrouve du coup après cette hyperlapse. Donc, j'ai mis une musique un peu fun. J'ai trouvé qu'elle était pas mal et le rythme était assez régulier. Donc, je trouve que pour le time-lapse, c'est assez sympa. Enfin, l'hyperlapse, pardon. Sinon, Myth va me refaire la remarque. Donc, voilà, je suis sur le toit et on voit les 5 maisons qui sont derrière. Donc, c'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de vous dire. Pour ce premier hyperlapse de l'épisode. Et de ce côté-là, on le fera sûrement la semaine prochaine. Donc il y aura sûrement plus de maisons du coup, vu que bah, la surface est plus grande. Mais voilà, je suis avec les mêmes matériaux et tout. C'est juste les proportions, enfin les proportions, les dimensions qui sont différentes. Donc il n'y en a aucune qui est totalement identique parce que chaque dimension est différente et c'est plutôt bien. Donc là, je voulais voir avec vous. J'avais dit que j'essaierais de faire un achievement par épisode. Et là, on va faire l'achievement de la bouffe. Donc il y a 36 choses à manger pour pouvoir faire cet achievement. Donc tout simplement, voilà, j'ai réuni dans les shulkers ce qu'il faudrait que je mange durant l'épisode pour pouvoir le faire. Donc je suis un peu dégoûtée parce que je vais devoir utiliser la Golden Apple. C'est un peu deg parce que c'est la seule que j'ai trouvée jusque maintenant, donc bah voilà, elle sera usée pour cet achievement. Voilà, je la sacrifierai pour la cause. Donc là, j'ai déjà creusé le couloir pour aller jusqu'au biome flower, quoi. Donc voilà, je vais y aller, je vais vous tourner un petit morceau là-bas et je pense qu'il y aura d'autres hyperlapses durant cet épisode. Donc je vous retrouve un peu plus tard, les amis. On se retrouve au niveau du biome colorant, les amis. Donc enfin, biome flower plutôt, je devrais dire. Mais moi ici, je vais faire ma base d'opération, va-t-on dire. Alors en gros, ici, au niveau de la petite rivière qui est là, on va s'en servir pour faire l'usine à poulpe, d'accord? Parce que ça sera beaucoup plus pratique. Mais pour faire ça, la première étape, ça va être de combler tout l'eau qu'il y a ici. Et on va combler jusque-là au niveau du biome marais. Comme ça, ici, on pourra faire une petite usine à orchidées. Et là, à l'intérieur du biome flower, je vais essayer de trouver un spot où il y a pas mal de fleurs. Et sinon, on pourra faire plusieurs usines parce qu'il y a aussi les fleurs bleues ici, vous voyez. Donc, j'aimerais vraiment trouver un spot pour toutes les fleurs. Donc, il va falloir que je comble à peu près jusque ici au niveau de l'eau également. Donc, toute cette zone-là, il va falloir que je la comble, que je mette de la dirt. Histoire que le spawn des poulpes soit focalisé ici dans l'usine, les amis. Donc, comme vous le constatez, il y a du taf à faire pour l'épisode avant d'attaquer l'usine. Donc, c'est parti, je vous fais ça en time-lapse. Thank you.
retrouve du coup après voilà, le terraforming. Donc tout simplement, j'ai retiré l'eau de la zone de la rivière. Donc la première chose à savoir pour faire l'usine à poulpe, c'est qu'il faut vraiment être dans un biome rivière. Donc avec votre F3, vous devez vous balader là où vous avez votre rivière pour voir vraiment tous les endroits. Vous voyez là, il y a encore de la plaine. Donc je pense qu'ici, il faut que je comble. Tac. Donc voilà, il faut vraiment faire tout le tour. Et vous voyez là, moi j'ai du biome rivière partout. Tac, ici non, encore du flower. Et il faut vraiment être méticuleux parce que ça spawn vraiment que dans le biome rivière ou dans les océans. Mais voilà, comment dire, combler tout un océan pour faire une usine à poulpe, voilà, il faut être fort quand même, je pense. Donc, tac. Donc voilà, je fais le tour. Là, c'est le. J'ai creusé un petit endroit pour vous expliquer un peu le principe de l'usine. Donc voilà, il va falloir que je creuse tout ça. Donc, la chose à savoir, c'est que les poules spawnent de la couche 64 à la couche 46 dans le jeu. Donc du coup, il faut qu'on creuse toute cette hauteur-là pour leur permettre de spawner au maximum. Donc du coup, là, j'ai creusé jusqu'à la couche 46 ici. Donc tout simplement, on va devoir utiliser des portillons qu'il va falloir ouvrir. Donc en gros, là, il va me faire un portillon là. Non, là. Je suis en train de me foirer. Un portillon là, un portillon là, un portillon là et un portillon là. Et là où il n'y a pas de portillon, en gros, c'est là où il y aura l'eau, les amis. Donc, du coup, voilà, c'est un petit peu ça qu'il va falloir faire. Donc, ça va être un petit peu chiant. Voilà, mais franchement, vous aurez des poches de poulpe et ça sera très très sympathique. Donc, voilà, là, hop, vous shiftez et en même temps, hop, vous posez vos petits portillons. Après, vous allez mettre votre eau et vous ouvrirez les portillons ensuite. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Hop, comme ça. Tac. Hop. On va faire une deuxième colonne. Hop, hop, hop. Encore. J'ai quand même mis un portillon en trop. Ça m'arrive souvent, ça. Hop. Donc, ici, pareil. Vous voyez, il faut mettre des portillons. Je pense que sur les côtés, je vais mettre de la stone brick partout à l'intérieur de l'usine, histoire que ce soit bien clean. Parce que j'aime bien quand c'est propre. J'aime pas quand voilà, ça reste un peu cracra quoi. Vous voyez? Hop, allez, 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 allez. C'est trop long. Ça va être trop long de faire ça, les amis. Mais bon, je suis pas à 1 ou 2 heures près, si vous voulez mon avis. Au vu du temps que j'ai déjà passé pour faire le terraforming, je suis plus à ça près. Hop, allez, c'est parti. Et au moins, on aura une production de folie après. Hop, donc vous voyez comme ça que le kelp, on aura de l'eau qui sera pas stagnante, justement. Enfin, ouais, flottante, du moins. Ah, avec le kelp, je galère à ouvrir les portillons. Donc, il faut que je retire le kelp d'abord. Ouais, il faudra que je retire le kelp d'abord. Sinon, c'est un petit peu la misère, je pense. Alors, on va mettre le kelp également ici parce qu'on a mis une source d'eau. Tac. Comme ça, après, il nous restera plus qu'à ouvrir les portillons. Tac, voilà, tac, hop, hop. Nickel. Donc là, ce portillon-là est ouvert. De ce côté-là, non. Il faut vraiment tous les ouvrir. Il faut pas en oublier, sinon les poules vont être coincées. Et si vos poules presque coincées et qui tombent pas, en gros, vous allez être embêtés parce qu'il va falloir comment? Ils vont pas respawn tout de suite en fait, puisque bah, y en aura un quoi en gros. Donc ça va un petit peu fausser la production de l'usine. Donc c'est un peu ça la galère. Bon, vous voyez, c'est pas le truc le plus fou du monde à faire, mais voilà, c'est comme ça que ça marche les usines à poulpe. Donc on n'a pas trop le choix. Hop, on ouvre ça aussi. Hop. Et c'est galère parce qu'on a tendance à rouvrir les mêmes en fait, donc c'est un petit peu la loose. Hop, non, 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 tac. Et du coup, là, ici, l'eau elle va pas être stagnante. Hop, donc hop, voilà. Faut pas oublier d'enlever le bloc du bas. Et en gros, ici, au niveau du 45e bloc, vous allez mettre un portillon que vous allez ouvrir. Voilà, donc ça, il va falloir que je le fasse partout. Partout, partout, strictement partout. Hop, je vais remonter. Oup. Donc voilà. Donc il va falloir que je fasse ça sur toute la surface qu'il y a ici. Donc d'abord, dans un premier temps, je vais creuser. Je vais poser les portillons.
Ouais, je vais poser les portillons. Ensuite, je vais mettre l'eau, je vais ouvrir les portillons. Et puis, je pense que après, par rapport au système de récupération en bas, je vais mettre des minecartes qui vont tourner avec des hoppers pour récupérer les loots. Et entre le 45e bloc qui est là et en dessous ici, je vais. Un poulpe a 10 points de vie, donc il 20 blocs pour. Donc, il faudrait les faire tomber à peu près de 24 blocs pour qu'il meure dès qu'il tombe, quoi, à peu près. Parce qu'un mob va prendre des dégâts au bout du 4e bloc de chute, d'accord? Donc ça, il faut le prendre en compte. Je pense que je vais creuser du coup de 14 blocs en dessous et que je mettrai les rails. Et au-dessus des rails, avec le minecart hopper, je mettrai des dalles. Comme ça, hop, les poulpes atterriront sur les dalles, ils mourront et on pourra récupérer nos loot. Voilà. Donc, je vous fais ça en terminale, ses amis. Donc, c'est parti. Alors, on se retrouve pour clôturer l'épisode, les amis. Donc, tout simplement, j'ai fini l'usine. Donc, j'ai fait comme j'ai pu au niveau du montage, que je vous avoue que ce n'est pas évident de vous montrer la construction d'usine, étant donné qu'elle était vraiment en sous-sol, ancrée et tout. Mais voilà, je pense que vous avez vu un peu le délire. J'espère que les explications ont été assez claires pour vous pouvoir la refaire. Parce qu'en soi, il n'y a rien de super compliqué pour cette usine. Donc, au niveau de l'achievement, si je vais là, vous voyez, j'en suis sur 37 sur 38. Je vous mettrai en description le lien du site qui m'a aidé à répertorier les items qu'il fallait que je mange pour pouvoir faire le défi. Comme ça peut vous aider, cette petite fiche. Donc voilà comment ça se passe dans le bas. Donc j'ai un système de minecart qui se balade. Il y en a plusieurs avec des rails, etc. Des hoppers histoire de pouvoir récupérer le tout. Et voilà, comme ça tout sera récupéré dans les coffres. Ça produit très très bien. Mais vraiment. Parce que ça, c'est ce que j'ai obtenu pendant la construction de l'usine. D'accord. Et ça également, au niveau des poches de poulpe. Donc, on va dire que quand je vais commencer à avoir besoin de colorant noir pour faire la prise marine sombre, bah, je vais pas être très embêtée. Ça va plutôt être sympa. Du coup, d'avoir cette production. Donc, comme quoi, vous voyez, ça produit très bien. Si on comble bien les zones d'eau, ça fonctionne de ouf. Donc, la chose à savoir, c'est qu'au niveau de ce biome, je vais pas me contenter juste de faire des usines. J'ai envie qu'en gros, ici, là comme ça, entre les montagnes, qu'il y ait un bâtiment où en gros seraient répertoriés tous les items que je vais récolter au niveau du biome flower. Donc toutes les fleurs, elles seront triées, il y aura un trieur d'items et il y aura des emplacements pour avoir chaque fleur. Et je vais essayer de trouver un spawner à squelette dans le coin si j'y arrive. Comme ça, on fera revenir tous les items dans ce bâtiment qui fera office de bâtiment de teinture. Voilà, tout simplement. Donc, je voulais vous dire ça quand même pour vous informer que le travail au niveau du biome flower n'est pas terminé. Donc, on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'il aura duré déjà pas mal de temps. Il y aura eu pas mal de taf parce qu'il y aura plusieurs montages. Voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Donc, je vais m'arrêter là. On fera l'usine à cacao la prochaine fois et la suite du quartier, c'est sûr. Et peut-être autre chose, on verra en fonction du temps que j'aurai sur l'épisode. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, les amis. N'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires. Et sur ce, on va manger notre petite pomme dorée. Et tadam! Voilà les
les avis, défi accompli. Donc, je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye à tous.